Paris, octobre 1808, l'empereur entre dans le musée Napoléon au palais du Louvre. Le salon de peinture et de sculpture vient d'ouvrir ses portes. À Paris, c'est l'événement qu'il ne faut pas manquer. Plus de 800 œuvres y sont exposées et Napoléon découvre ce jour-là l'immense tableau enfin terminé qu'il a commandé 3 ans plus tôt au célèbre peintre Jacques-Louis David, Le Sacre. Dans la galerie du salon, tous les tableaux des grandes campagnes sont là, l'Italie, l'Égypte, Austerlitz. Tous les peintres du néoclassicisme sont réunis, François Gérard, Louis-François Lejeune, Anne-Louis Giraudet ou Antoine Jean Gros, parmi tant d'autres peintres et sculpteurs que vient saluer l'empereur. Les idées de la Révolution française ne plaisent pas au régime monarchique européen. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un principe qui a remis en cause leur propre système politique. À ce moment-là, l'Angleterre, l'Autriche, l'Espagne, la Sardaigne, la Sicile et pratiquement tous les royaumes du nord de l'Europe sont coalisés contre la France. L'armée française ne combat pas contre les Italiens, mais pas libérer l'Italie de l'occupation autrichienne. On se bat contre l'Autriche en Italie parce que les Autrichiens considèrent que, on va dire, le nord de l'Italie fait partie de leur zone d'influence. Donc en fait, on fait la guerre en Italie aux Autrichiens parce qu'ils sont les ennemis de la France et qu'ils ont des armées en Italie, mais aussi dans un but stratégique qui est de prendre Vienne en tenaille, puisque une armée française va attaquer les forces autrichiennes au nord, en Allemagne, et Bonaparte reçoit comme mission d'aller attaquer l'Autriche sur son flanc sud en passant par l'Italie. Le tout nouveau général Buonaparte, vainqueur des Anglais à Toulon, a été nommé commandant de l'armée d'Italie cantonnée à Nice. Nous sommes à la veille de la première campagne d'Italie. En ce 13 avril 1796, l'armée d'Italie avance. Les succès de l'armée d'Italie sont relayés par les gazettes qui commencent à se multiplier en France. Et les illustrations de ces épisodes par les images d'Épinal connaissent aussi à ce moment-là un énorme succès. La propagande napoléonienne se faisait grâce à des peintures, des gravures sur tous les grands épisodes de la vie de Napoléon. Mais je pense qu'à un moment, ils se sont rendus compte que cette propagande n'allait pas jusque dans les campagnes les plus reculées. Et la seule chose qui allait dans les campagnes les plus reculées, c'était les colporteurs, les bibliothèques bleues, les imagiers, ainsi de suite. Les Autrichiens ont établi de sérieuses lignes de défense sur le Pô et ses affluents, coupant l'accès de la Grande Armée vers Milan. Par une manœuvre de contournement de l'armée autrichienne à Plaisance, j'oblige l'ennemi à se défendre et se replier sur Lodi. Ce tableau de la bataille de Lodi a été peint bien plus tard par Louis-François Lejeune. Lejeune s'engage en 1792, comme beaucoup de gens de sa génération, et va très vite entrer dans l'armée. Ses capacités pour le dessin le tirent tout naturellement vers des services proches de l'état-major. Et il va donc avoir cette position très particulière qui va le mettre à même de voir tout ce qui se passe. Il a le sens de l'ensemble de la bataille. Et assez souvent d'ailleurs, il a tellement ce sens que si la bataille n'est pas clairement compréhensible, eh bien, il va mélanger deux moments qui ont eu lieu, l'un au début de la journée, l'autre à la fin. Nommé capitaine, puis chef de bataillon, il obtiendra ses galons de général et sera même fait baron d'Empire. Après Lodi, je me regardais non pas comme un simple général, mais comme un homme appelé à influer sur le sort d'un peuple. Il me vint l'idée que je pus bien devenir un acteur décisif sur notre scène politique. Les relations internationales de cette époque sont tout aussi compliquées que celles d'aujourd'hui. La défaite de l'Autriche en Italie, les avancées des armées françaises dans la péninsule sont vues finalement d'un assez bon œil. Bonaparte prend ainsi possession du pays et commence à occuper la Lombardie. Mais durant l'été, l'armée autrichienne, forte de 25 000 hommes, déferlera sur les Français. Comme à son habitude, Bonaparte se replie et cherche à diviser ses adversaires en les éliminant séparément. À Castiglione, le dernier affrontement se déroulera comme prévu et seule la retraite sauvera les Autrichiens d'un désastre.
Ici, dans l'illustration de Castiglione, Victor Adam, qui fait un peu comme le jeune, c'est-à-dire qu'il utilise deux plans séparés, différents, du même champ de bataille. Il monte les protagonistes, et en particulier Bonaparte, au premier plan. Et à l'arrière, on devine, plus qu'on ne la voit, la bataille. Parce que ce qui est important, c'est ce qui se passe devant. C'est-à-dire le commandement et, en quelque sorte, comment la politique est en train de se mettre en place. Les Autrichiens occupent encore le petit village d'Arcole. Le pont qui enjambe l'Alpone est de la plus haute importance, car il nous permettrait de prendre les Autrichiens à revers. Mais le pont résiste. Les troupes du général Augereau hésitent. Je m'y portais moi-même. Ma présence produit sur les troupes un mouvement qui me décide encore à tenter le passage. Et à la tête de mes hommes, je fonce sur l'ennemi et le force à évacuer. Horace Vernet est un autre personnage capital dans la construction de la légende napoléonienne. Il est dans le cœur de ce problème de la légende et il va avoir à la fois de gros problèmes avec le gouvernement, mais surtout il va avoir une aide considérable qui est celle du duc d'Orléans, futur roi Louis-Philippe, qui va lui commander pour sa galerie du Palais Royal un certain nombre de grands tableaux. Arcole. Cet événement fait partie des grands actes de gloire qui ont contribué à la légende napoléonienne. L'imagerie de Jean-Charles Pellerin a diffusé largement cette image dans les endroits les plus reculés. Jean-Charles Pellerin, avec ses ouvriers, réveillait un ancien soldat, François Georgin, qui adorait l'Empire aussi, a commencé à faire toute une édition d'images pendant l'Empire. À la fin de l'Empire, ils se sont retrouvés avec un stock d'images. Ils ont été dénoncés et on est venu saisir les images. Le jour du passage du pont d'Arcole, Antoine Gengros était présent avec l'armée et lors de leur rencontre à Milan, Bonaparte lui commandera un tableau pour immortaliser cet événement. Le général en sera d'ailleurs très satisfait et il lui confiera par la suite le poste d'inspecteur aux revues, lui permettant ainsi de suivre l'armée. Le tableau porte le titre de « Bataille d'Arcole ». En revanche, ce que l'on voit, c'est un portrait. C'est Bonaparte lui-même qui est au premier plan et on devine vraiment à peine la bataille au troisième ou à tout à fait l'arrière-plan. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est la mise en avant du personnage, de cet homme déterminé, jeune, fougueux, qui prend les commandes de la République et qui va la diriger comme il l'entend. Antoine Gengros est un des principaux élèves de David. C'est l'élève qui va rester le plus fidèle à son maître, tout d'abord en faisant preuve d'une grande fidélité en reprenant l'atelier de David. J'ai facilement deviné les plans de l'ennemi qui veut passer la vallée de la Dige et revenir sur Trente. Bonaparte arrive à l'entrée du défilé, Rivoli. L'armée française est dans une position périlleuse, prête à se faire écraser dans ce bassin de Rivoli, assiégé ce matin du 14 janvier par plus de 25 000 Autrichiens. Mais tout va brusquement basculer. Sur les crêtes des montagnes environnantes, on voit la silhouette des Autrichiens. À 10 heures, l'armée de Masséna, qui a chevauché sans repos depuis Vérone, arrive sur le champ de bataille. À 18 heures, c'est la victoire! Les soldats de l'armée d'Italie ont surpassé la rapidité tant vantée des légions de César. La bataille de Rivoli, elle est d'abord illustrée par la toile d'Horace Vernet, qui a été réalisée bien après les événements, en 1805, à destination du maréchal Berthier, qui avait fait cette commande pour sa grande galerie de bataille du château de Grosbois. La bataille de Rivoli a été diffusée par l'imagerie d'Épinal après 1830, gravée sur bois par le célèbre graveur François Georgin, spécialiste de la représentation des grandes batailles de l'Empire. Avec l'imagerie d'Épinal, la grande série napoléonienne est quelque chose de très étonnant. 70 images sur la même personne, sur quelques années de règne, et enfin d'Empire. C'est vraiment parce que les imagiers ici à Épinal étaient fanatiques et ont eu ce coup de cœur pour ces batailles. Ils ont aussi participé à la Grande Armée. Ils ont été eux-mêmes soldats. Donc effectivement, ils parlaient à la fois des soldats, à la fois de Napoléon, mais ils parlaient surtout d'eux-mêmes.
Donc je pense que c'est ça qui a fait que cette grande série ait si bien marché et qu'elle ait été copiée à Nancy, à Metz, à Montbéliard, à Belfort. Et vous vous rendez compte, toutes ces imageries ont toutes fait à peu près les mêmes sujets avec très peu de modifications d'ailleurs dans leurs images. Donc c'était diffusé de partout. Décembre 1798, des fêtes et encore des fêtes sont données en l'honneur du général Bonaparte. Et Joséphine est de toutes les fêtes. En Europe, désormais, seuls les Anglais sont encore forts et susceptibles d'attaquer la France. Bourrienne, tout s'use ici. Je n'ai déjà plus de gloire. Cette petite Europe n'en fournit pas assez. Il faut aller en Orient. Toutes les grandes gloires viennent de là. L'Égypte est à notre porte. En fait, l'Égypte, sur le plan stratégique, est un point qui permet de menacer le commerce anglais avec les Indes. 400 vaisseaux, frégates, briques, avisos et 55 000 hommes, 1026 canons, 1000 pièces d'artillerie de campagne, 467 véhicules, 1000 chevaux, on ne voyait plus la mer! Nous avons réussi à échapper à la flotte de Nelson qui croisait en Méditerranée et nous mettons enfin pied sur la terre égyptienne. C'est Bonaparte lui-même qui racontera par un courrier directement adressé aux Gazettes le voyage et le début de la campagne d'Égypte. Soldats, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous regardent. La bataille sera sanglante, mais le 24 juillet, nous entrons dans le Caire. Louis-François le Jeune est le mieux à même de représenter cette bataille des pyramides parce que lui-même a été combattant. Il est bien sûr peintre, mais il a participé directement au combat en tant que capitaine. Donc il sait exactement comment ça s'est passé et il va rendre sur la toile exactement l'émotion qu'il a pu connaître sur le champ de bataille. Immédiatement après ses victoires, Bonaparte se met au travail pour organiser l'Égypte comme il l'a fait pour l'Italie. Tout semble nous sourire ici. Vous vous trouvez bien dans ce pays? Cela est heureux, car nous n'avons plus de flotte pour nous ramener en Europe. Nelson vient de surprendre l'escadre française à Aboukir. Jean-Charles Pellerin et Antoine Réveillé, anciens soldats de l'armée impériale, seront les initiateurs de la production inspirée, selon la légende spinalienne, des souvenirs de campagne au sein de la Grande Armée. Et vers 1829, où il a son sursaut relâche, l'imagerie va se mettre à faire d'autres images. Et en quelques années, de 1829 à 1841, ils vont en sortir 70 environ sur la geste napoléonienne. Donc ça va, on va de la bataille des pyramides à toutes les grandes batailles, à Valeur et Humanité, qui est la deuxième image qui vont sortir, et qui en fait représente des soldats dans un campement et qui sauvent des enfants, aident des femmes. Il a aussi voulu valoriser tous ces soldats d'Empire, tous ces grognards qui se trouvaient un peu abandonnés par le pouvoir et qui vaquaient un peu comme ça, sans grande occupation et qui surtout avait une assez mauvaise réputation au moment où ça s'est fait. Les images effectivement participaient à la reconnaissance. Donc pour les soldats par exemple, toute cette série de 1829 leur redonne une existence, une valorisation. Ils sont remarqués, enfin ils existent de nouveau, ils ont participé à un moment d'histoire remarquable et ils ne sont plus du tout oubliés ou laissés sur les routes. Le général Bonaparte, en ce mois de février 1799, part affronter les Turcs en remontant vers la Palestine. Il va les chercher là où ils se trouvent. Et pour s'adapter au climat et aux circonstances, eh bien, les cavaliers de Murat vont monter des dromadaires. La campagne fut terrible. Le désert, la soif, mais les victoires, Gaza, Jaffa, Haïfa, et toujours le désert, la soif, la peste. On est obligé d'abandonner le siège de Saint-Jean d'Acre. La fortune m'a été contraire. Les conditions du retour seront horribles. La peste décime les troupes françaises. Tout le monde va à pied, y compris Bonaparte.
À Jaffa, on abandonne les pestiférés. On leur distribue de l'opium pour adoucir leur mort et leur éviter de se faire égorger par les Arabes. La ville de Jaffa porte un peu malheur à Bonaparte. D'abord, à l'aller, pendant la campagne de Syrie, il a fait exécuter, sur la plage de Jaffa, entre 3 et 4 000 prisonniers. Et puis au retour, Bonaparte va se trouver confronté à un autre problème, cette fois-ci à l'interne de son armée. La peste a éclaté, des soldats sont atteints de la peste, et la peste, c'est quand même très très contagieux. Bonaparte prend le parti de sauver son armée en abandonnant les pestiférés. Alors Napoléon sait bien que ces deux dossiers vont être des dossiers un peu noirs sur son, dans son parcours. Et donc, au moment du sacre, il va faire exposer, enfin laisser composer, ce fameux tableau de Gros sur les pestiférés de Jaffa. Cette toile des pestiférés de Jaffa, elle a un rôle très important. Elle doit mettre fin aux rumeurs de l'abandon de Bonaparte et surtout de l'exécution de ses propres soldats et des prisonniers. Donc, on doit représenter Napoléon qui n'a pas peur d'affronter la maladie, de la peste donc. Et il va y avoir deux effets sur ce tableau. Le premier, c'est que, évidemment, il va montrer ce qu'il a vraiment fait à Jaffa, c'est-à-dire aller visiter les pestiférés. Donc, le général est courageux, finalement, il se résout à abandonner les pestiférés, on va dire pour des raisons supérieures. Bonaparte te touche, Dieu te guérit. En l'espèce, ils ne seront pas guéris. Certaines gravures sont inspirées par des grands tableaux, comme ici la toile d'Antoine Jean Gros, commandée par Napoléon lui-même pour consolider et légitimer son pouvoir. La gravure, diffusée par les éditions Pellerin, assurera sa célébrité. Bien que simplifiée, la composition générale de l'estampe est semblable, ce qui souligne le geste symbolique de Bonaparte. L'imagerie dans cette grande série des 70 images qu'il va produire va aussi s'inspirer des tableaux et va aussi valoriser l'image de Napoléon. Et donc il va se servir des grands moments où Bonaparte s'est mis en valeur. Et un de ces grands moments, c'était donc connu hein, par la peinture de Gros, c'est les pestiférés de Jaffa. Donc dans cette image, il y a non seulement l'histoire Bonaparte touchant les pestiférés, mais il y a aussi le texte en dessous qui raconte et qui dit « C'était mon devoir, je suis général en chef ». Donc en fait, avec ça, qu'est-ce qu'il dit et ce que lisent les gens, c'est qu'un général en chef, de toute façon, prend en charge son armée, en est responsable, et puis que de toute façon, il est Bonaparte et que ça craint rien. On récupère ce tableau et on les amène en province, dans tous les villages, en disant « Regardez, il ne craignait rien, il osait tout faire. » 14 juin, nous sommes de retour au Caire. Les Anglais et 10 000 Turcs occupent Aboukir. Cette bataille va décider du sort du monde. Bonaparte, qui est un formidable communicant, sait la force des images, mais aussi leur fragilité. Donc il faut marquer son territoire, et pour cela, il faut trouver des endroits, des lieux, et surtout une fougue dans l'image qui doit combattre la même où les rumeurs auraient pu le toucher et l'atteindre. Sur les flots flottaient des milliers de turbans et d'écharpes que la mer rejetait au rivage. C'est une des plus belles batailles que j'ai vues. Et cette bataille d'Aboukir, à 6000 hommes français contre 10 000 Turcs, elle doit montrer la supériorité stratégique de Bonaparte. Bonaparte est sans nouvelles de France depuis 10 mois. La lecture d'une gazette lui en donnera de fâcheuses. Eh bien, mon pressentiment ne m'a pas trompé. L'Italie est perdue, les misérables. Tout le fruit de nos victoires a disparu. Au matin du 23 août 1799, deux petites frégates françaises rééchappées d'Aboukir lèvent l'ancre. À leur bord, Murat, Berthier, Duroc, Lannes, Marmont et Bonaparte, accompagnés de son nouveau serviteur, le Mamelouk Roustan. Alors, il prend la décision d'abandonner son armée. Il considère que s'il reste en Égypte, il sera un soldat de plus dans une armée qui tourne en rond. Paris, 10 novembre 1799, la Révolution a vécu. Le Conseil des 500 et les baïonnettes du général en chef Bonaparte, réunis à Saint-Cloud, ont eu raison du directoire. C'est le coup d'État du 18 Brumaire. Foutez-moi tout ce monde là dehors!
citoyen député, vous êtes dissous. Tout ça s'est passé très très vite. Le coup d'État a été préparé par Emmanuel Sieyès, qui cherchait simplement un général pour commander les troupes. De l'autre côté, on a Bonaparte qui, en remontant vers Paris, s'est rendu compte de sa popularité, qui a lui-même une envie de pouvoir et qui pense qu'il pourra faire bien mieux et plus vite que Sieyès. Donc, psychologiquement, il est totalement prêt à aller dans ce coup d'État. Le traité de Campo Formio semble aux oubliettes. L'Autriche occupe de nouveau l'Italie. Bonaparte, premier consul, aurait voulu ne se consacrer qu'à la politique intérieure. Il propose la paix aux souverains d'Autriche et d'Angleterre, mais sans succès. Bonaparte, qui a pris le pouvoir, maintenant doit repousser l'adversaire et surtout reprendre la main sur cette Italie qui a été reprise par les Autrichiens. L'Italie s'impatiente. Nous luttons contre la glace, la neige, les tourmentes et les avalanches. Au pied du massif du Grand Saint-Bernard, il faut franchir les Alpes. En 3 jours, 40 000 hommes vont grimper les chemins enneigés. Représenter Napoléon sur un cheval fougueux, cabré, c'est important. C'est important pour montrer que Napoléon finalement ne craint pas les éléments et qu'il va traverser les Alpes comme ses glorieux prédécesseurs, Hannibal et Charlemagne. Alors en ce qui concerne Jacques-Louis David, qui, il faut le dire, était quand même le plus grand peintre de l'école française, bien avant que le nom de Bonaparte ne soit connu. Lorsque David se voit confier la tâche de peindre le passage des Alpes, il va d'ailleurs suivre en cela les instructions de Napoléon, qui lui disait qu'il n'importait que très peu que l'effigie soit exacte, ce qu'il fallait c'est qu'elle soit vraisemblable. La réalité historique ne ressemble pas au tableau de David. En fait, de cheval fougueux, Bonaparte monte un mulet qui appartient au guide savoyard qui conduit la troupe. Le 20 mai, on canonne le fort de Bar. Le 23 mai, l'âne enlève Ivrée, occupé par 2000 Autrichiens. On marche sur Milan. Le 2 juin, Milan accueille de nouveau les Français libérateurs. Brescia, Plaisance, Crémone, Pavie, Gênes sont reconquis. Le 10 juin, on arrive à San Giuliano. Au milieu de la plaine, c'est Marengo. Dans ce tableau de Marengo, Louis-François le Jeune, qui a participé directement au combat, représente exactement ce qui intéresse les stratèges, c'est-à-dire que Napoléon lui-même a choisi le lieu du combat. Et d'ailleurs, au premier plan, on le remarque, il y a encore des ossements de chevaux qui montrent qu'auparavant, des combats ont lieu à cet endroit, et Napoléon, qui a étudié à la fois les cartes et l'histoire, c'est que c'est un endroit où l'on peut être victorieux des Autrichiens. Je rappelle le détachement du général Dezay, pendant que j'avance avec ma réserve. L'âne reste sur la droite. Du courage, soldats! Les réserves arrivent! Tenez ferme! Enfin, avec ses 8000 hommes, Dezay arrive à la rescousse et me présente les armes. En fait, Marengo fait partie de cette liste des batailles qu'il n'a pas perdues alors que tout était en place pour qu'il les perde. D'abord, il engage le combat sans savoir vraiment où se trouve son ennemi, sans savoir qu'il a face à lui l'ensemble de l'armée. Il va avoir d'abord la présence d'esprit de ne plus être aussi offensif que d'habitude, donc de recevoir le choc. Et puis, il a cette chance quand même que la division Dezay va arriver sur le champ de bataille au moment propice. À 2 heures, tout n'était que désolation et angoisse. À 5 heures, l'ennemi de plus en plus assuré semble vouloir nous dépasser sans nous voir. Lorsque la foudre part, la mitraille, les obus, les feux de bataillon pleuvent. On ne criait pas, on hurlait. À 5 heures, c'est la victoire. Le général Dezay est à la tête de la 9e demi-brigade. Soudain, une balle lui traverse la poitrine. Bonaparte est bouleversé. Pourquoi ne m'est-il pas permis de le pleurer? Que la journée ait été belle, si ce soir j'avais pu l'embrasser sur le champ de bataille. Louis-François le Jeune, avec ses pinceaux, est une sorte d'Hemingway finalement sur le champ de bataille. Il est le reporter de guerre. Il va montrer exactement ce qu'aucun autre artiste n'aurait pu faire, c'est-à-dire la réalité des combats, ce qu'ont pu ressentir les généraux, les officiers de manière générale, et même le plein simple soldat. Et donc, d'une certaine manière, on est au cœur du tableau. François Georgin, à l'imagerie d'Épinal, gravera l'événement de la mort de Dezay en bas, à droite de la gravure. Les années 1801 à 1804 seront des années de paix pour la France.
Malgré ça et là des escarmouches, la paix s'installe en Europe. Cette fois, Napoléon remplace Bonaparte. Le Senatus consulte du 28 Floréal en 12, qui est donc le 18 mai 1804, montre que la République est confiée à un empereur, l'empereur des Français. C'est la solution politique qui est dans l'air du temps. Il n'y a aucune république dans le monde. La seule, ce sont les États-Unis, mais c'est loin. En plus, le président a vraiment un pouvoir énorme. Enfin, on vient de vivre 1000 ans de royauté qu'on a finalement arrêté moins de 10 ans plus tôt. Dans l'esprit des gens, créer une monarchie, ça n'est pas grave. À Paris, on prépare le couronnement. Le pape Pie VII finira par accepter de se rendre lui-même à Paris. 2 décembre 1804, l'immense cortège des invités, le cortège du pape, Joséphine et Napoléon sont en grand manteau de velours pourpre. Cette fois, Napoléon est véritablement empereur. Et dans le geste qu'il fait en direction de Joséphine, il y a tout un ensemble qui est très important à montrer. Il prend le temps de prendre la couronne, de la poser délicatement et d'en coiffer l'impératrice avec beaucoup de charme et beaucoup d'attention. C'est symbolique également. Ça montre que la France est incarnée en Joséphine, qui a quand même connu toute cette révolution, et que par cet événement, ce couronnement, c'est lui qui détient le pouvoir et personne d'autre. Madame Mère a boudé la cérémonie. Quoique présente sur le tableau de David, elle est restée à Rome, inquiète de tant de faste. À Épinal, les dessinateurs se concentrent sur le couple impérial, un peu à la manière des magazines d'aujourd'hui. À partir de la rupture de la paix d'Amiens, Napoléon n'a qu'une seule ambition, c'est d'aller chercher la paix à Londres, comme il le dit. Donc il va masser ses troupes sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, donc le camp qu'on appelle le camp de Boulogne, mais qui va d'Utrecht à Cherbourg, et là, il va préparer ses armées à franchir la Manche. En Europe, la troisième coalition contre Napoléon se forme peu à peu entre l'Autriche, la Russie, la Suède et bien sûr l'Angleterre. La flotte française devra se rendre maîtresse du Pas-de-Calais, ne fût-ce que durant 3, 4 ou 5 jours. Malheureusement, le 25 août à Boulogne, j'apprends que Villeneuve est revenu à Cadix, refusant de se frotter de nouveau à l'escadre anglaise, tandis que Nelson croise toujours à l'entrée de la Manche, empêchant nos bateaux de sortir de Brest. Dès ce moment, je change mes batteries. Il s'agit de gagner 20 jours et d'empêcher les Autrichiens de passer l'Inn pendant que je passerai le Rhin. Ils ne s'attendent pas avec quelle rapidité je vais faire pirouetter mes 200 000 hommes. Quand j'aurai donné une leçon à l'Autriche, je reviendrai à mes projets. Il a une telle sûreté par rapport à son outil militaire qui a été quand même perfectionné de 1803 à 1805, ces gens sont ensemble, ils s'entraînent ensemble, ils manœuvrent ensemble. C'est un outil militaire comme il n'en a jamais existé nulle part en Europe. Parce que cette armée est prête, parce que cette armée est bien équipée, parce que cette armée est magnifiquement commandée, il va donner l'ordre à ces 7 corps d'armée de se diriger le plus rapidement possible vers le centre de l'Europe et sans se faire remarquer. Nous sommes le 20 octobre 1805. Napoléon est devant la ville d'Ulm et après un long siège qu'a dirigé le général Mack, Napoléon enfin va entrer en vainqueur dans cette ville très symbolique. Pour les Autrichiens, c'est une perte considérable. Pour eux, ils vont perdre dans la bataille, dans ce siège très long, 25 000 hommes, 60 canons et pendant 5 heures, eh bien, tous ces hommes vont défiler devant le vainqueur et vont finalement affirmer sa supériorité à la fois stratégique et militaire. Cette toile de Charles Thévenin est là justement pour montrer non seulement cette longue file d'officiers et de soldats qui sont obligés de déposer les armes, mais surtout elle montre que Napoléon est un empereur magnanime et que même s'il a combattu avec beaucoup de panache et beaucoup de victoires finalement à l'arrivée, il laisse les soldats repartir vers chez eux finalement sans être prisonniers. 14 novembre 1805, Vienne désertée par l'armée est aux mains de Napoléon qui s'installe au palais de Schönbrunn. En 6 semaines, toute l'Autriche, du Danube à l'Italie, est devenue française. La grande armée s'installe sur le plateau de Pratzen, dominant un petit village de Moravie, Austerlitz. En face, l'armée austro-russe, commandée par Kutuzov, à la tête de 90 000 hommes.
à l'aile droite, Davout attire l'ennemi vers la route de Vienne. Au nord, Lannes et Murat refoulent le général ennemi Bagration. Au centre, Soult prend de flanc les régiments en marche vers Telnitz. À 16h30, à la tombée de la nuit, tout est terminé. Ce tableau de Gérard, François Gérard, n'est pas un tableau de bataille comme les autres. Napoléon a confié cette toile qui doit éterniser cette grande bataille des trois empereurs, non pas à un spécialiste des batailles, mais à un portraitiste. Ce qui lui importe, justement, c'est de voir les visages de ces hommes qui ont combattu, en particulier le général Rapp, et puis l'ensemble de son état-major, lui, Napoléon, se trouvant à l'écart de la toile. Cette toile est d'ailleurs tellement magistrale, tellement importante, elle était destinée notamment au plafond du salon de Diane aux Tuileries, qu'elle va avoir un tel succès qu'ensuite, ce tableau sera diffusé à travers toutes les estampes populaires et va également contribuer à montrer Napoléon, finalement, non pas comme le chef uniquement des hommes qui l'entourent, mais également le chef de la liberté à Austerlitz. François Gérard, quand il se livre à la peinture d'histoire, c'est tout de même quelque chose de très important. Le meilleur exemple, c'est le grand tableau, l'immense tableau de la bataille d'Austerlitz. Alors c'est un tableau qui va avoir un succès considérable à son époque et également, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, dès qu'il va être installé à Versailles. Parce que toute cette peinture dont nous parlons, sous l'Empire, qui la voit ? Les gens qui viennent au salon. Mais en dehors de cela, une fois que le salon était terminé, qui durait quelques mois, eh bien ma foi, ces peintures, elles retournaient dans les appartements impériaux et on ne la voyait plus, il faut bien le dire. À Épinal, l'imagerie Pellerin a choisi de représenter le bivouac de Napoléon la veille de la bataille. Les historiens ont détaillé 1000 fois les manœuvres de la bataille, mais ce que l'on mentionne moins, ce sont les réactions de Napoléon au soir du combat. En fait, le génie d'Austerlitz ne se situait pas dans la façon dont la bataille a été racontée plus tard, mais bien dans la façon dont elle s'est déroulée, où Napoléon a fait preuve de génie. Et il a beaucoup insisté sur des faits qui ont existé, qui ont été réels, qui sont cette fraternisation presque amicale avec ses soldats. En 1806, la 4e coalition financée par l'Angleterre se voit renforcée par la Russie. La Prusse quitte sa neutralité et Frédéric Guillaume renie tous ses traités avec la France. Septembre 1806, Napoléon part de nouveau pour la guerre. 14 octobre, Napoléon arrive à Iéna. Soldats, il n'est aucun de vous qui veuille retourner en France par un autre chemin que celui de l'honneur. Nous ne devons y rentrer que sous des arcs de triomphe. Il est redevenu le capitaine Bonaparte, il s'occupe de tout. Il place son artillerie, dirige lui-même les travaux et au petit jour, les canons prussiens engagent la bataille. Les Prussiens nous souhaitent le bonjour par des coups de canon qui passent par-dessus nos têtes. En moins d'une heure, l'action devint générale. 250 000 à 300 000 hommes avec 700 ou 800 pièces de canon semaient partout la mort et offraient un de ces spectacles rares dans l'histoire. De part et d'autre, on manœuvra constamment comme à une parade. Parmi nos troupes, il n'y eut jamais le moindre désordre. La victoire ne fut pas un moment incertaine. Le 27 octobre, l'empereur entre par la porte de Brandebourg. Berlin lui remet les clés de la ville. Le 27 novembre à Berlin, Napoléon décrète le blocus continental. Tout commerce et toute correspondance avec les îles britanniques sont interdits. Donc il fallait que ça aille très vite. Et il faut dire que les deux premières années, l'Angleterre a beaucoup souffert du blocus continental et qu'il y a eu, à un moment donné, des hommes politiques anglais qui ont dit « bon, il faut négocier bon. ». Et il se trouve que la majorité de la Chambre des communes ne voulait pas négocier. Et donc on a, à ce moment-là, continué la guerre. Et c'est en fait l'obligation pour Napoléon de faire durer le blocus. Napoléon tient durement les économies des pays, y compris des pays alliés, ben ceux-là vont dire « c'est complètement désavantageux d'être allié de la France, donc puisqu'on n'est plus allié et que tout le monde veut lui faire la guerre, faisons-lui la guerre et ce sera la grande coalition finale ».
Nous sommes mi-juin 1807. La grande armée est face à l'armée russe. Mais le général Bennigsen a commis l'erreur de placer ses troupes d'eau au fleuve Lahl, à Friedland. L'artillerie détruira tous les ponts coupant la retraite aux Russes. Et Horace Vernet, qui reçoit commande non pas d'une, mais de trois toiles différentes, dans ce Friedland, ne souhaite pas mettre en valeur forcément uniquement Napoléon, mais l'ensemble des combattants, et en particulier les maréchaux qui se sont distingués, en particulier le maréchal Ney. Dès la fin de 1808, l'Angleterre entraîne l'Autriche dans une cinquième coalition contre la France. Pour Napoléon, il n'y a qu'une solution, prendre les devants à la tête de son armée. Une fois de plus, une nouvelle campagne commence. C'est la guerre. Je m'en vais à Vienne, seul, avec mes petits conscrits, mon nom et mes grandes bottes. Avec Lannes, Masséna et Soult, c'est encore une marche victorieuse. C'est la victoire à Essling. Vers 1829, une première image sort. C'est la mort de Montebello, la bataille d'Essling. Il se trouve que Pierre-Germain Vadet, donc le copropriétaire de l'imagerie, avait été blessé à Essling et il avait eu une jambe coupée. Et il va se servir d'une gravure de Karl Vernet qu'il va réinterpréter pour faire sa première bataille d'Essling, la première image type napoléonienne. Donc une image à l'italienne avec un grand titre, une image et en dessous un texte. La gravure de Vernet représente au premier plan un homme écrasé par son cheval et donc ce qui était arrivé à Vadet. Donc on pense que c'est en souvenir de cette bataille d'Essling en 1829 qu'il fait sa première image. La route de Vienne est ouverte. L'ennemi poursuit sa retraite vers Wagram. Le 6 juillet, avec les armées, nous nous retrouvons sur le plateau de Wagram, au nord-est de Vienne. L'armée autrichienne est sous les ordres de l'archiduc Charles d'Autriche. Sur un front de 15 km, 1100 pièces d'artillerie de part et d'autre des lignes déchaînent un ouragan de fer. Cinq jours plus tard, l'armée autrichienne abandonne le champ de bataille et l'archiduc demande l'armistice. Cette fois-ci, c'est Wagram qui est mis en avant, avec un Napoléon au cœur des combats, au milieu de ses hommes. Il dirige directement la manœuvre et il va lancer en particulier ses maréchaux indépendamment les uns des autres. Et ils vont d'ailleurs y trouver les fameux lauriers de la victoire, en particulier Macdonald, mais également Masséna. Quelques années plus tard, la maison Pellerin reprendra les modèles des tableaux pour rééditer la bataille de Wagram. Cette estampe est réalisée vers 1837 d'après François Georgin, qui avait conçu la première version. Celle-ci est gravée par Jean-Baptiste Thibault, imprimée et éditée par Nicolas Pellerin et Pierre-Germain Vadet. Les négociations de paix seront longues et difficiles et traîneront jusqu'au 14 octobre 1809, date de la signature du traité de Vienne. Napoléon quitte Schönbrunn, après avoir consolidé cette paix avec l'Autriche, mais surtout renforcé le blocus continental contre l'Angleterre. Je dois divorcer. L'institution d'un empire héréditaire est urgente. L'Europe est matée. L'Autriche est exsangue. L'Angleterre sera battue. Rome va devenir simple préfecture française. 14 décembre, aux Tuileries, devant la famille Bonaparte ravie, Joséphine est répudiée. Dieu sait combien une pareille résolution a coûté à mon cœur. Mais il n'est aucun sacrifice qui ne soit au-dessus de mon courage lorsqu'il m'est démontré qu'il est utile au bien de la France. Le divorce avec Joséphine a une seule raison, c'est créer une dynastie. Un empereur a besoin d'un héritier, alors la Constitution en donnait à Napoléon. Joseph, Louis, les enfants de Louis. Mais Napoléon sentait bien que la chance d'enracinement de sa dynastie, c'était que lui-même ait un enfant. L'Angleterre domine les mers et ses forces maritimes lui permettent de conquérir les colonies françaises et hollandaises et offre aux Anglais de nouveaux débouchés. Alexandre de Russie n'a pas tenu parole et a ouvert ses ports aux Anglais. C'est encore la guerre. 610 000 hommes, l'armée des 20 nations qui composent l'Empire franchissent le Niémen.
Le 7 septembre 1812, nous attaquons les collines de la Moscova, dernier rempart de Moscou. Le 8 septembre, la route de Moscou est ouverte. Je m'installe au Kremlin. Nul notable n'accueille l'armée. Vidée de ses habitants, la ville est morte. Alexandre refuse de négocier quoi que ce soit et laisse l'empereur seul et las d'attendre. 7 septembre, l'air de Moscou est enflammé, les vitres du Kremlin éclatent. Et évidemment, il est surpris, le mot est très faible, à la fois que tous ces appels à la négociation soient même pas rejetés, ils sont méprisés, on n'y répond même pas, et puis évidemment, il est scandalisé par l'incendie de la ville qui est organisé, qui est perpétré par les Russes eux-mêmes. La grande armée ne peut pas s'installer dans une ville détruite. J'ordonne alors la retraite. Des 600 000 hommes qui sont partis avec Napoléon conquérir Moscou, finalement il n'en restera que 60 000. Il faut tout le courage, l'abnégation des hommes du général Eblé pour faire traverser ce fleuve, même si dans l'inconscient collectif, Bérézina, c'est une destruction terrible. D'une certaine manière, c'est une victoire, parce que c'est une victoire à la fois militaire, parce qu'il y a une bataille qui se passe ici à Borisov, et puis au-delà, c'est aussi une victoire parce qu'on parvient à faire traverser la quasi-totalité des soldats, ce qui n'était pas du tout gagné d'avance. La fabrique Pellerin à Épinal ne peut pas ignorer l'épisode tragique et la disparition de plus de 500 000 hommes venus de toute l'Europe dominée par le Premier Empire. Cette gravure sur bois de Georgien montre cette immense colonne humaine sur la neige à perte de vue. Chacun y a perdu un enfant, un père ou un frère. Pour Napoléon, il faut faire face à la nouvelle coalition qui se prépare entre l'Angleterre, la Russie, la Prusse et l'Autriche. La conscription de 1813 permettra de réunir à nouveau près de 400 000 hommes. À la tête de cette nouvelle armée, ce sont encore des victoires. Nous sommes déjà en octobre 1813 à Leipzig. Tous les alliés sont là. C'est une terrible défaite, c'est la retraite. Il ne reste plus que 100 000 hommes, nous rentrons en France. Toute l'Europe coalisée marche vers la France. Wellington s'approche de Toulouse. À l'est, les Autrichiens ont franchi la frontière suisse, les Prussiens sont aux portes de Strasbourg, les Suédois sont déjà en Belgique. À Paris, les députés exigent la paix et rappellent à Napoléon les lois garantissant aux Français la liberté civile et politique. Ce n'est pas dans le moment où l'on doit chasser l'ennemi de nos frontières que l'on doit exiger de moi un changement dans la Constitution. Qu'est-ce que le trône ? Quatre morceaux de bois doré recouverts de velours ? Non, le trône c'est moi. C'est moi qui peux sauver la France et non vous. Vous aurez la paix dans 3 mois ou je périrai. Cette toile du peintre Meissonnier a été composée bien après les événements, en 1855 à peu près, c'est-à-dire déjà sous le Second Empire. On voit très bien ce que recherche le peintre, c'est Napoléon entouré de ses apôtres qui va en direction du Mont des Oliviers. D'une certaine manière, cette longue marche terrible, où on imagine d'ailleurs le souffle du vent qui accompagne ces hommes et qui marche vers l'inéluctable, eh bien, cette toile va avoir un succès tellement considérable que c'est l'une des toiles les plus chères de l'histoire. À l'époque, elle vaudra quasiment aujourd'hui 20 millions d'euros. On n'était pas comme aujourd'hui, avec notre téléphone, en 2 minutes, on sait ce qui se passe. Ça prenait dans les 3 à 4 mois, si ce n'était plus, avant que ça soit diffusé par les colporteurs ou qu'on puisse l'avoir sous la main. Donc on allait toujours favoriser des choses qui étaient plutôt de la propagande générale autour de Napoléon, mais ce n'est pas l'événementiel qu'on va valoriser. On va plutôt valoriser Napoléon, Marie-Louise, son fils, la naissance de son fils, des choses qui vont rester comme des événements remarquables. Malgré les sursauts de l'armée française, ça et là, la pression est trop forte. Wellington est à Bordeaux, Augereau perd Lyon, le tsar Alexandre et le roi de Prusse entrent dans Paris. Et le 31 mars 1814, les cavaliers cosaques défilent sur les Champs-Élysées devant le tsar Alexandre. Fontainebleau, 11 avril 1814. Napoléon signe, devant les maréchaux, l'acte d'abdication sans condition qui lui permet de bénéficier de la souveraineté de l'île d'Elbe. Cette fois, c'en est fini. Nous sommes le 20 avril 1814. Napoléon va faire ses adieux à sa garde. Et tout à fait symboliquement, alors qu'il est entouré des derniers fidèles et qu'il remet son épée au général Petit,
Eh bien, un simple grenadier est en train de pleurer. Et sur le drapeau sont inscrits en lettres dorées toutes les batailles qui ont compté. C'est tout à fait symbolique et il reste quand même une place, une simple place en bas, parce que d'une certaine manière, puisque le peintre connaît la suite de l'histoire, lui sait que cette dernière place sera un jour marquée par la plus terrible des batailles, Waterloo, un an plus tard. Je pars. Vous, mes amis, continuez à servir la France. Ne plaignez pas mon sort. Si j'ai consenti à me survivre, c'est pour survivre encore à votre gloire. Adieu, mes enfants. Pendant que le Congrès de Vienne tentait la recomposition de l'Europe, de l'île d'Elbe, l'Aigle a décidé de s'envoler à nouveau. 1er mars 1815, Napoléon s'est évadé. Il débarque à Golfe-Juan. 1500 hommes fidèles prennent avec lui la route de Paris. Et l'aventure recommence. Soldats, foulez aux pieds la cocarde blanche. Elle est le signe de la honte. Venez vous ranger sous les drapeaux de votre chef. La victoire marchera au pas de charge. L'Aigle volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Pendant que les derniers accords du Congrès de Vienne déchirent l'Europe, c'est encore la guerre. Ce 14 juin 1815, la Grande Armée est à nouveau en marche. Napoléon a choisi l'offensive et fonce sur la Belgique. Le 18 juin, les premiers coups de canon se font entendre sur la plaine de Waterloo. Les armées anglaises de Wellington et les armées prussiennes de Blücher auront raison de l'armée française. C'est la défaite, la déroute totale. Cette charge des 8000 cavaliers français qui vont déferler sur les carrés anglais est le moment crucial que choisit le peintre Philippe Otto. Il représente la bataille de Waterloo avec ce moment, cet instant où les cavaliers vont se rompre finalement sur ces carrés qui vont les repousser indéfiniment. Finalement, ce que le maréchal Ney avait tenté ne va pas arriver et ces vagues successives vont toujours se rompre. C'est l'assaut général. Les Français sont pris entre deux feux. C'en est fini. De cette toile, eh bien, le peintre Philippe Otto va souligner à la fois l'héroïsme et le sacrifice de tous ces cavaliers français. Plusieurs images d'Épinal ont représenté le désastre de Waterloo. À chaque fois, dessinateurs et éditeurs ont choisi de montrer les soldats de la conscription napoléonienne en plein combat. 22 juin 1815, au Palais Bourbon, les députés, manœuvrés par Fouché et harangués par Lafayette, exigent l'abdication. L'île de Sainte-Hélène a été choisie pour sa future résidence. 18 octobre 1815, Napoléon débarque à Sainte-Hélène. Il est accompagné de ses fidèles, Lascaz, Gourgaud, Montholon, quelques domestiques. Napoléon à Sainte-Hélène, on voit que l'imagier n'a pas cherché non plus à le valoriser. Il a un petit bedon, enfin voilà, on voit bien que c'est un homme un peu usé. Il regarde au loin, il regarde sur la mer, il regarde les bateaux. Et au pied, donc il est surmonté par l'aigle voilà, qui est dans le ciel, un peu comme un Saint-Esprit. Et à ses pieds, il y a bien sûr tous les symboles de l'Empire, la cuirasse, le corps, l'encre, enfin tout ce qui va parler de cet exil où cet homme est tout seul sur son rocher et où il regarde ce bateau. 5 mai 1821, Napoléon s'éteint dans son lit, entouré de ses fidèles. L'aigle impérial est définitivement abattu. C'est la fin. Nous sommes le 5 mai 1821. Napoléon est entouré des siens, des derniers fidèles. Une scène finale où chacun se recueille, pense justement à l'avenir et qu'ils ont touché du doigt une grande part de l'histoire de France. D'abord, il va y avoir une petite vague d'émotion au moment de l'annonce de sa mort et puis l'année d'après, la publication du mémorial de Sainte-Hélène. Il va avoir un impact, ça va devenir une force et une doctrine politique. Et tout ça grâce à Louis-Napoléon Bonaparte, donc le futur Napoléon III, qui lui va récupérer à son profit tous ces aspects pour créer une doctrine politique. On garde que le côté merveilleux, le côté grand homme de Napoléon. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça ouvre le chemin à son héritier, voilà, Napoléon III, qui va d'ailleurs s'en servir largement pour s'imposer. Des images d'Épinal montrent Napoléon III en tant que prince président, et derrière, il y a une grande Napoléon sur son cheval de David. C'était un bel empire,
J'avais 83 millions d'êtres humains à gouverner. Plus que la moitié de la population de l'Europe entière. On aura beau retrancher, supprimer, mutiler, il sera difficile de me faire disparaître tout à fait. Un historien français sera obligé d'aborder l'Empire, et s'il a du cœur, il faudra bien qu'il me restitue quelque chose, qu'il me fasse ma part. Et sa tâche sera aisée, car les faits parlent. Ils brillent comme le soleil.